Comment mieux dormir, mieux gérer son stress, voire avoir une meilleure concentration au travail. Et aujourd'hui, j'ai peut-être trouvé la solution. Il s'agit d'un produit tech apparemment plutôt innovant. Et bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais donc te présenter un produit tech de la marque OmniPemf. Je pense d'ailleurs être le premier français à en parler et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très excité de pouvoir faire cette vidéo. Cela va bientôt faire un mois que je teste le produit. Ils disent qu'il faut 2 semaines environ, voire 3 semaines pour voir s'il y a des résultats ou pas. Et ce beau petit bijou se nomme le Neo Rhythm. Alors en fait, c'est juste un petit accessoire, une sorte de petit casque que tu vas mettre sur ta tête. Et pour te faire très simple, tu vas changer de position en fonction de ce que tu souhaites travailler. Puisque en fait, si tu veux, ça va envoyer des fréquences. On verra ça juste après avec des mots un peu plus complexes. En fonction du mode que tu vas sélectionner, ça va plus ou moins faire travailler ton cerveau dans cette direction là. Ça peut l'apaiser. Alors, il y a eu beaucoup de brevets qui ont été déposés, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Et il y a eu beaucoup de tests qui ont été effectués. D'ailleurs, je pense être le seul français à en parler. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très content aussi de pouvoir le tester à côté, de pouvoir te donner mon ressenti, bien entendu, qu'est-ce que j'en pense de ce produit. Hésitant, et je me suis dit bon, voilà, j'y croyais pas trop, au final, on verra ça juste après. Bah, je trouve qu'il y a eu des petits résultats quand même. Le cerveau, ce n'est pas un muscle, beaucoup de gens se trompent. En fait, il s'agit d'un organe qui est en perpétuelle évolution en fonction de ce que tu vas faire de tes journées aussi, bien sûr. Mais globalement, le cerveau est un organe très complexe. On ne sait pas exactement comment il fonctionne, mais vraiment au niveau des parties, donc c'est vraiment compliqué. Et si tu veux, donc ici, OmniPemf ont décidé de sortir ce produit là, puisqu'ils ont vu en tout cas qu'au niveau forcément du cerveau, il va émettre certaines fréquences, pour te faire simple, dans certaines parties du cerveau, et que si tu arrivais à émettre d'autres fréquences, eh bien tu pouvais un peu arriver à canaliser, un peu à contrer tout ça. Et si jamais tu as un gros mal de crâne ou que tu te sens pas très bien ou un gros stress, et qu'en fait en envoyant à un certain partie de ton cerveau tout simplement, eh bien certaines fréquences, en fonction du mode qu'on va choisir dans l'application, tout ça, parce que c'est un produit connecté, bien entendu, c'est ça aussi le lien avec ma chaîne YouTube, c'est que je présente des produits connectés, eh bien globalement ça va plus ou moins t'apaiser, t'aider aussi à avoir une meilleure concentration. Alors moi j'ai testé, voilà, depuis un bon petit moment ce produit là. C'est vrai que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sexy quand tu le mets sur ta tête, et quand je travaille dans un café, les gens me regardent un peu étrangement, en mode on dirait vraiment, ou alors je suis dans le futur, tu vois, je suis vraiment sur une autre planète. Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'avoir ce produit là. Moi c'est un domaine qui m'intéresse énormément, parce qu'on est aussi un petit peu dans le côté médical, j'ai envie de te dire, innovant, voilà, avec le produit tech, tout ça. Donc ça c'est assez cool. Et d'ailleurs, pour l'allumer, c'est vraiment sympa. En fait, il suffit de tapoter 2 fois, hop, ça l'allume. Et puis après je peux manuellement, en fait, si tu veux, en tapotant, puisqu'il n'y a pas de bouton dessus, il y a juste un petit endroit où tu peux réinitialiser le produit, et bien tu peux lancer ton programme et tout. Mais c'est mieux de le faire depuis l'application. Bref, j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. Il utilise donc un système de stimulation magnétique transacranienne répétitive. On appelle ça donc le TCMS, le TMS ou alors le RTMS, qui est délivré. Donc il y a 5 bobines magnétiques qui sont dans, en fait, si tu veux, le produit. Voilà, donc ça c'est plutôt important. Il y a une charge complète donc de 0 à 100% qui équivaut à 8 heures d'autonomie. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool, parce que bah, moi j'utilise plusieurs fois par jour en fonction des modes, et comme ça au moins ça tient très largement ta journée, et tu peux le recharger le soir ou le lendemain. Enfin voilà, en tout cas tu as 8 heures d'autonomie, donc ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas bête, mais il y a un petit socle. Alors comme on peut le voir, c'est très simple, hein, c'est du plastique, mais franchement très ingénieux, puisqu'en fait on est sur un port micro USB, donc un port universel. Mais en fait tu vas tout simplement poser, hop, le Neo Rhythm contre le petit socle, et en fait il va tenir debout. Donc ça c'est vraiment sympa, ce petit socle en plastique, c'est, voilà, je trouve qu'ils ont pensé à ça, sachant que le Neo Rhythm est bien entendu très léger, donc c'est pour ça que ça va pas non plus tomber sur un côté. Mais tu peux le poser tranquillement, le recharger et puis tout simplement l'enlever par la suite. Donc ça c'est un bon point. Il est aussi vendu donc avec une petite housse de protection qui reste relativement simple, hein. Il n'y a pas non plus quelque chose de très poussé, c'est juste une petite housse. Alors il y a un code couleur au niveau des LED. Alors lorsque la LED est rouge, elle va donc forcément indiquer que la batterie est faible, et la LED orange donc indique le rechargement. Quand tu la mets au socle, boum, elle se recharge.
et si t'as pas de LED qui est allumé, en fait ça montre que le produit est complètement chargé. Si jamais tu le laisses dans le socle, ça devient orange, ça veut dire que ça montre que c'est en cours de rechargement. Et à partir du moment où tu vas ne plus voir de LED allumé, ça veut dire que en fait ton néorythme est chargé à 100%. Alors globalement, pour se connecter forcément à ce produit-là via ton smartphone, il va falloir se connecter via le Bluetooth. De toute façon, l'application est plutôt simple. Il y a une application donc, qui est disponible sous iOS et sous Android. Par contre, au niveau de l'application, on verra ça juste après, c'est moyen. Après, comme ils le disent, en fait, il y aura des mises à jour par la suite. Donc, j'arrive à mettre mes programmes, en fait, tout simplement sur le néorythme via l'application, mais sans plus, quoi. Tu peux pas faire plus de choses avec l'application. Donc ça, à mon avis, il faut voir de belles évolutions, j'espère, en tout cas à l'avenir, parce que bah, ça manque quand même de fonctionnalités. Les dispositifs TCMS créent des champs magnétiques d'une puissance suffisante pour induire une activité électrique dans le cerveau. Le champ principal créé par le néorythme est plus faible que celui de certains autres appareils TMS, mais pénètre 2-3 cm dans le cerveau. Les appareils TCMS, bien entendu, sont considérés comme sûrs. Ils sont non invasifs, pas d'électrodes dans le cerveau. Enfin voilà, globalement, c'est pas dangereux pour toi, mais apparemment, il y a quand même une certaine efficacité de ce produit-là. Après, il y a eu des études qui ont été menées. Alors après, il faut faire attention aussi, parce qu'il y a aussi cet aspect, il y a plusieurs noms qu'on peut donner à ça, mais l'aspect psychologique, c'est-à-dire que on va te donner un produit, on va te dire, bah voilà, ce produit-là, il fait ça, et puis l'aspect psychologique de l'humain va faire que au final, il va avoir cette croyance médicament qui va vraiment t'aider à évoluer ou à te sentir mieux, et ça va te le faire, mais parce qu'en fait l'aspect psychologique emporte. C'est pour ça que c'est très important que cette phase test elle a été effectuée durant plusieurs semaines pour éviter d'avoir cette phase là l'aspect psychologique. Et j'ai pas trop lu la notice et tout parce que je voulais vraiment tester le produit en mode normal. Je suis en train de travailler, je mets le truc de concentration pour voir si j'arrive à mieux me concentrer et faire des sessions de 30-60 minutes. On se retrouve donc dans l'application avec la partie 1, donc c'est connect, pour tout simplement se connecter. Donc comme tu vas voir, c'est très simple. Alors d'ailleurs, j'ai pas besoin de mettre honnêtement le néorythme sur ma tête. Donc si je fais connect, normalement, vu qu'il y a ma Bluetooth qui est activée, il faut que je regarde si le produit est allumé. Il clignote en vert, il est allumé et là il s'est connecté. Comme on peut voir, au final c'était plutôt rapide. Alors globalement, pour te montrer, et comme je te l'ai dit, l'application est vraiment très très simple, hein. Ça n'a pas été non plus hyper travaillé. Après en soi, moi honnêtement, je préfère ça, avoir une application hyper simple avec quelques programmes, j'appuie dessus, ça fonctionne, et qu'un truc où, qui fonctionne pas du tout, ou le produit qui ne fonctionne pas très bien. Voilà, donc ils ont fait peut-être un choix stratégique sur ça, je peux comprendre. Et en tout cas, ça me pose pas forcément de problème. J'ai mis le casque, alors comme on peut le voir en bas à droite, on a setting. Il n'y a pas grand chose en fait, honnêtement, que tu peux faire dans l'application. Tu peux sélectionner et activer le night mode, le mode vibra et le mode stimulation statue. On a la version du logiciel, enfin de l'application, on est en 2.0.10. Et puis voilà, globalement, c'est un peu tout. On peut voir les sessions. On a le service support aussi, mais comme on peut le voir, ça reste très très simple. Et d'ailleurs, tu vois là, j'ai fait un retour, mais en fait, ça m'a kick un peu de l'application. Ici, data. Alors si on va dessus, là, j'ai sélectionné juste un jour. Donc c'était hier. Hier, alors ça, c'est pas mal. Il me donne en fait un historique sur la journée. Après, je peux sélectionner en fonction des dates. Donc hier, j'ai quand même utilisé 130, au total 193 minutes le produit. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai fait beaucoup, comme je te l'ai dit, en fait, en ce moment, je fais beaucoup ils appellent ça Enhanced Mental Capacity. J'ai fait 130 minutes hier et j'ai fait 60 minutes de deep relaxation pour entrer un petit peu dans un confort quoi au niveau du cerveau et pouvoir par la suite un peu mieux dormir. Alors moi honnêtement, le deep relaxation, ça m'a fait un peu moins d'effet. Enfin moi, ça me fait pas grand chose. Par contre, comme je t'ai dit, le mental capacity, vraiment, je trouve que moi en tout cas, j'ai une meilleure concentration quand je travaille, mais ça me l'a pas fait tout de suite, tu vois. Et même au début, j'avais du mal, comme on peut le voir là. J'ai fait 130 minutes, au début j'avais du mal à faire 30 minutes de session parce que vraiment ça travaillait. Alors si on va dans session, on fait connect, donc là je crois qu'il doit se reconnecter avec le produit parce que le temps de te parler, voilà, je fais next et là je peux sélectionner ou désélectionner les modes. Alors là il est actuellement en mode mental capacity, vu que j'ai tapé deux fois, on va rappuyer deux fois, normalement ça va arrêter le programme, voilà tout simplement.
Donc je tape deux fois donc sur la droite. Alors attendez, je vais regarder si j'ai bien positionné aussi le produit. Normalement, c'est bon. Voilà, la LED est bien à droite. Et si je fais Select Programme, on va voir ici en fait tous les programmes qui sont disponibles. Je t'en ai pas parlé. On a donc le Mental Capacity, on a Energy and Vitality. Alors c'est en anglais par contre. On a le Deep Relaxation. Après, je pense qu'on comprend plutôt bien. Il n'y a pas non plus, c'est pas hyper complexe. On a le Improve Sleep, le Pain Control, le Méditation et Méditation Calming and Synchronisation. Ça peut être aussi pour des gens qui stressent ou avant un gros examen ou avant un gros entretien, une grosse réunion. Il y a des gens qui peuvent stresser et qui ont du mal à se maîtriser et à relâcher tout ça. Alors marcher aussi, ça fait beaucoup de bien honnêtement, mais si c'est pas possible, bah, c'est vrai qu'un produit comme ça, ça peut être assez intéressant. Si moi par exemple j'appuie sur Mental Capacity, c'est ce que je préfère, donc j'appuie dessus. Comme on peut voir, c'est très simple en fait. Soit je choisis une session de 30 minutes, donc c'est si jamais tu souhaites prendre ce produit là, je te conseille 30 minutes parce que 60 minutes, moi j'y suis pas arrivé. Vers 40-45 minutes, je commence à avoir mal, donc je te conseille d'y aller doucement. Par exemple ici, je sélectionne 30 minutes et on voit une petite photo avec la femme donc qui m'indique la position du néorythme. Et comme on peut le voir, je l'avais pas forcément dans la bonne position. Hop, je le place dans la bonne position, je fais select et donc ici il me dit voilà, à partir du moment où tu es prêt, tu vas donc tapoter deux fois, vibration, hop, l'application enclenche avec le néorythme bien entendu le programme en cours. Et comme on peut voir, j'ai donc les secondes qui vont passer. Je peux verrouiller le téléphone, je peux faire autre chose. Bien entendu, le programme est en cours d'utilisation, il est en arrière-plan. Il n'y a pas de problème avec ça. Si je souhaite arrêter donc le programme, je double tape, ça arrête le programme. Par contre là, il faut que je rappuie sur le bouton Home pour revenir dedans, pour resélectionner le programme. C'est pour ça que là, au niveau du parcours, c'est pas trop ça. Et là, il faut que je resélectionne tout simplement un autre programme. Si on veut faire Pain Control, là, il va me dire par contre, il va falloir le mettre ici, tout simplement. Et alors, au niveau de la position, soit je le mets à la tête, soit sinon, je peux le mettre autour de la nuque, tout simplement. Alors, il y a quelque chose dont je t'ai pas montré, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Si j'appuie sur le More, on va donc voir en fait les fréquences. Les fréquences qu'il va émettre durant la session. 3,41 Hz gamma. Avec aussi du accompanying 12,64 Hz alpha. Voilà. Donc là, il nous conseille aussi, par exemple, ça c'est plutôt cool, 40 minutes, deux fois par jour, petit mémo, si jamais tu oublies la section. Donc là, je peux faire select. Donc là, il va falloir retapoter deux fois. Attends. C'est un peu plus galère dans ce sens-là. Et donc là, c'est bon, ça s'est mis en route. Je retapote deux fois pour arrêter. Ça s'arrête, donc ça se synchronise plutôt bien. Après, c'est juste que ça reste très simple. Là, je retourne dans le bouton Home, Select Programme. On veut faire Improve Sleep par exemple. Alors, voilà, Improve Sleep, c'est d'ailleurs assez intéressant que je te le montre. D'ailleurs, ils expliquent Recommended Use. C'est tout simplement ce qu'ils recommandent. C'est de le mettre 20 minutes avant de s'endormir, on the back of the head, derrière la tête, ou alors l'utiliser tout simplement sous the pillow, donc sous l'oreiller. Méditation, je crois que j'ai pas fait la méditation. Alors on a même la méditation, tu vois, au niveau des modes. Alors déjà on peut regarder au niveau des fréquences, c'est pas du tout la même chose que tout à l'heure. Et que d'ailleurs si je descends un petit peu, on a au niveau du programme, donc déjà on a la position qui change, et puis on a du 60 minutes, du 30 minutes ou je crois que c'est à l'infini ça en fait. Au final, c'est vraiment toi, tu choisis tes minutes. Ce, je l'ai pas fait celui-là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je double tape, ça s'enclenche, ok. En fait, c'est vraiment toi qui choisis quand ça s'arrête ou pas. Voilà, et c'est juste que tu as le compteur aussi qui s'active. Donc vraiment plutôt intéressant. Je suis vraiment très content en tout cas de pouvoir te présenter ce néorythme là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir tout de suite le prix, le tarif du produit. On se retrouve donc sur le site internet avec, alors il y a plusieurs propositions puisque tu peux prendre le single pack qui actuellement, donc moi je le vends en tout cas aujourd'hui. Alors en fait, il y a plusieurs prix, c'est à dire que ça va dépendre des jours, ça va dépendre si jamais ils font des promotions ou pas. Donc moi aujourd'hui en tout cas je le vois à environ 309 $, donc grosso modo on va dire 300 € le produit.
si jamais tu peux prendre le pack de, ils appellent ça le duo pack, où en fait tu as deux néorythmes, il est à 539$. Donc globalement on va dire à 500€. On va résumer comme ça, ça sera plus simple si jamais il y a des promotions ou pas sur le produit. Donc ça reste quand même un prix, ça reste quand même un investissement un peu quand même quelque part, parce que mettre 300€ dans une technologie comme ça, pour certains ça va peut-être les refroidir et ça peut se comprendre. Donc c'est vraiment quelque chose. Alors je crois qu'il y a le paiement plusieurs fois d'ailleurs de mémoire. Alors ils ont mis aussi en place quelque chose que je trouve pas mal, c'est qu'ils ont mis 60 jours où tu peux tester le produit, et si jamais t'es vraiment pas satisfait tu peux leur renvoyer. Voilà, donc ça c'est assez cool. Après à mon avis il y a quand même une petite démarche administrative qui doit se faire et qui doit être un petit peu casse-bonbon, d'où les 60 jours et tout. Donc voilà, faut bien être sûr pour prendre ce produit là. Voilà, je t'ai donné vraiment mon avis concernant ce produit. C'est vrai que moi j'étais très sceptique, voilà. J'ai testé, j'ai constaté que en tout cas, comme je te dis, je devais boire pas mal d'eau. Parce que quand en fait je le mettais et tout, au bout de 10-15 minutes, je sentais, je sais pas, au niveau de ma salive, au niveau de ma langue, vraiment que j'avais besoin, enfin en tout cas de boire de l'eau. Et j'ai constaté en tout cas dans la notice juste après, enfin quelques jours après, que en effet il faut bien boire de l'eau avant de prendre ce produit là. Avant de mettre un produit. Je dis vraiment c'est bizarre quoi, coïncidence, j'ai besoin de boire de l'eau et tout. En plus ils conseillent de bien boire de l'eau, parce que aussi ce qu'il faut savoir c'est que dans la tête il y a un gros pourcentage d'eau, hein, ça c'est assez conséquent, et que ça peut faire agiter un petit peu tout ça. Enfin voilà, je suis pas non plus un énorme connaisseur, mais c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des petites choses un petit peu... C'était un peu bizarre parce que ça me faisait un peu d'effet. Par contre, des sessions de 60 minutes, j'avais beaucoup de mal de les faire au début. Je devais passer par des sessions de 30 minutes, honnêtement, pour commencer à m'y habituer. Des fois, ça pouvait me faire un petit peu mal, un effet un peu bizarre, voilà. Dès que j'enlevais le casque, waouh, j'ai l'impression d'avoir un gros vide dans ma tête. Donc, je pense pas qu'il y a cet aspect psychologique avec le temps, parce que j'étais aussi sceptique avec ça. Et j'avais pas cette croyance, je pense, en tout cas, concernant le produit. Mais au final vraiment je trouvais ça très intéressant, et c'est vraiment un produit que j'emmène tous les jours à mon lieu de travail, et je le mets des fois, je me fais alors soit une session de 30 minutes dans la journée ou deux fois dans la journée, c'est ce qu'ils conseillent, et j'ai l'impression en tout cas d'avoir une forme de meilleur focus, une forme de meilleure concentration quand je travaille. Après moi j'ai pas de problème pour dormir, j'ai pas de problème souvent de mal au crâne, j'essaie de faire attention avec tout ça. Et voilà, en tout cas je suis vraiment très content de pouvoir te présenter un produit aussi très atypique, hein. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Quand j'ai vu ça sur internet je me suis dit faut que je teste, faut absolument que je teste, et je suis très content en tout cas de pouvoir te le présenter. Donc voilà, je sais pas du tout, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires, si tu y crois ou pas, si tu penses que ça a un certain effet ou pas. Après je sais que dans les hôpitaux ils utilisent aussi certaines technologies de ce style là, il y a aussi d'autres casques de ce format là qui utilisent aussi un peu cette technologie là. Donc vraiment c'est pas quelque chose qui est sorti tu vois d'un petit trou, et voilà, il y a eu quand même des recherches qui ont été menées, et bon, en tout cas je trouve que c'est plutôt intéressant. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Moi je vais me taper une petite session et puis je te dis à très vite.